Bon, j'ai trouvé un tracé ici avec des oppositions de phase. Je voulais vous montrer. On en a ici. Donc, si on regarde le tracé ici, à F4, j'ai une opposition de phase à F4. Oups, mon crayon ne fonctionne pas. J'en ai une ici. Puis aussi à F3. Ici, on a notre champ électrique. Puis on a notre champ électrique. On va aller vérifier. En changeant de montage, on va mettre ça en montage référentiel. Donc, on voit bien ici le F4, hein, on les voit bien, F3. Okay, on voit les amplitudes là, sont plus élevées. Hein. Donc, on a deux foyers. Ici, c'est en frontal. C'est des. Je vais remettre ça en double banane. Là. Ça, c'est un montage antéro-postérieur. On a la chaîne temporale gauche-droite, parasagittale gauche, parasagittale droite. Regardez votre montage ici. Je vais vous donner le temps de le regarder. On va mettre ça en rouge, vous allez voir. FP1, F7, F7 et tout. Okay. Droite, ça dit gauche. Sagittale gauche. Sagittale, parasagittale droite. Alors ici, l'électrode commune, c'est F4. Puis vous avez un petit peu plus haut, je l'avais vu tantôt ici. C'est un tracé très très anormal, c'est très lent ici, c'est très lent. Regardez du 2 Hz là, 1, 2 Hz, c'est très très lent là. La partie ici là, AT4, c'est une interférence. L'électrode est probablement décollée ici. On va changer de montage. Pour changer, il faut que j'enlève mon crayon. On va aller mettre ça en montage référentiel encore. Ouh, il y a de l'interférence. Oh, je me suis trompée de canal. Voilà. Trompée de montage, c'est-à-dire. Voyez-vous F4 ici? Puis F3, c'est les plus hautes amplitudes. On peut aller chercher un montage zygomatique coronal. On va aller voir à F4. Puis on le regarde ici, là. On a notre opposition de phase à F4 ici. Est-ce qu'on a un F3 quelque part? Ouais, mais ça pointe vers F4 maintenant. Donc, notre foyer est à F4. Regardez, F3. Ça pointe tout à F4 ici. Okay. Puis, on a notre champ électrique. Puis, j'en ai trouvé un autre ici qui est pas mal. Donc, on a du rythme de fond. On est en montage antéro-postérieur. Okay. Toujours vérifier votre montage pour commencer, hein, pour vous habituer. Donc, on a temporal gauche, temporal, fronto-temporal droite, hein, fronto, regardez, F, temporal, jusqu'au 2. Ensuite, on a parasagittale gauche et parasagittale droite. Ce qui ressort ici, non, c'est ça ici, non, regardez ces grandes ongles-là ici, ça, ici, 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 ici. Hein, on les voit très, très bien. Donc, on va regarder. C'est juste pour vous montrer les montages, là, en fin de compte, à quoi ça sert. Donc, ici, on a quelque chose qui ressemble à une opposition de phase. Ici, avec. Ici. Puis ici. Regardez, ça, c'est beau, hein? On va aller chercher ce qui s'applique, right? Donc, c'est sur la chaîne temporale droite. FP2, F8. F8, T4. Donc, F8. C'est notre électrode commune. On l'a ici avec. Puis ici aussi. Puis on voit là très bien le champ électrique. FP1, F3, là, ça c'est de l'autre côté. Là. Là, ce qu'on regarde, c'est ça ici. Là. Donc on voit notre champ électrique. Ensuite, FP2, F4, F4, C4, on voit ici là. Okay.
Donc ici, on a une position de phase à F8. On va aller voir si on en a d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Mais ça pointe, hein? Regardez, ça pointe tout vers l'avant. On va aller changer le montage. On va aller mettre ça en montage référentiel. Attendez, il faut que j'enlève. Il faut que j'efface ça avant. Puis j'enlève mon crayon. On va aller en montage référentiel. Alors, on s'attend à avoir la plus haute amplitude à... c'était quel? C'était F8? J'ai oublié. F8, c'est ça. On s'attend à avoir la plus haute amplitude. On va aller chercher ça. Donc, ce qui est F8 est ici. Petit crayon. F8, on va aller chercher ça. Voilà. Hein? On a vraiment une haute amplitude. Donc, c'est une anomalie. C'est à ça que ça sert, là. On change de montage pour vérifier. Okay. Je vais enlever le crayon. On va mettre en montage coronal. On va aller voir ce que ça nous donne. Ou ce qui est F8, il est ici. Donc, vous voyez, F4, F8, ça pointe sur F8, c'est bien. Et puis ici, on l'a aussi à droite, hein? T4, C4. Ici, on est rendu à T4, C4. Alors, ça pointe en temporal à droite aussi. Donc, on pourrait dire que l'anomalie est maximum en région frontale, mais c'est sur le côté droit, c'est sur le cadran antérieur droit. Alors, ça, je veux dire, c'est avec l'habitude, là. Si vous prenez la tête de votre patient, là, okay, F8, on l'a ici, F8 est ici, là. On en a à... On en avait ici, ça allait jusqu'à T4. Donc, c'est toute cette partie ici. Fait que notre champ électrique, là, il part comme ça. OK? C'est maximum dans le cadran antérieur droit. On va enlever le crayon. Donc là, je voulais vous montrer un petit peu les signaux de calibration, les notions de sensibilité, puis tout ça, à quoi ça sert. Donc, on va trouver des ondes, des belles ondes. Okay. Celui-là, il est beau. Donc, on voit ici nos ondes, on les voit bien, hein? Mais elles sont quand même, on pourrait mieux les voir. Alors, on peut jouer avec la sensibilité ici. Donc, on a une sensibilité de 7,5 microvolts par millimètre. Donc, on peut l'augmenter, puis on voit mieux nos ondes ici. Voilà. Donc, c'est des éléments qu'il faut... auquel il faut s'habituer. On va continuer ici. Donc, regardez ça ici. Bon, là, j'ai beaucoup, beaucoup de... En région antérieure ici, là, regardez, FP2, F8. Hein. C'est des mouvements oculaires, ça. C'est des blinks, hein, les patients qui ferment les yeux. Puis... Bon. Je vais juste vous montrer les filtres de basse fréquence. Sont ici les filtres de basse fréquence. Vous avez plusieurs valeurs. Hein, ça part de 0,05 Hz jusqu'à 10. On va le mettre à 0,05. OK. Fait que nos ondes lentes, ça c'est très lent. Si vous voyez, c'est très lent. Ici, là, en deux lignes vertes, j'ai une seconde. Je vais juste avancer un petit peu. Là. Bon, j'ai une seconde ici en deux lignes vertes. Donc, on voit ça, c'est très lent, là. C'est comme 1 Hz, là. C'est très, très lent. Donc, le filtre de 0,05 Hz, ça ne les touche pas, okay? Parce que le filtre ici de basse fréquence va filtrer ce qui est de 0,05 et plus lent. Je vais monter ça à 0,1. Nos ondes ont commencé à changer, mais encore là, ces ondes-là, c'est très lent. C'est 1 Hz, puis 0,1, c'est encore plus lent. Donc, ça ne les affecte pas vraiment. On va aller à 0,3. Ça commence un petit peu, mais pas vraiment. Vous voyez ici, par exemple, ça c'est très très lent. Ça ne les affecte pas. Si je vais à 1 Hz, je vais filtrer tout ce qui est 1 Hz et moins. Ça commence à les affecter, hein? On les voit ici. Okay. Je vais continuer. Ici, si je mets... Là, ici, à 3, ça va filtrer tout ce qui est de 3 Hz et moins. Toutes mes ondes qui sont de 3 cycles par seconde et moins vont être affectées. Et voilà, ils disparaissent. Puis si je mets mon filtre 5 Hz, tout ce qui est 5 Hz et moins
va être affecté par mon filtre, ben ça disparaît. Et toutes mes ondes disparaissent, mes mouvements oculaires sont disparus. Habituellement, on va enregistrer avec un filtre de 1. Moi, j'aime bien point 3, mais on peut y aller avec le filtre de 1 selon les recommandations canadiennes. On va utiliser les filtres de basse fréquence, comme vous voyez ici comment c'est lent, là. Ça, c'est du mouvement oculaire. Le patient, les yeux bougent. Les yeux fermés, mais les yeux, les globes oculaires qui bougent. Alors, si on met un filtre à 1, ça va disparaître. Voyez-vous? Ça fait une belle ligne droite, là. Ça nettoie le tracé. OK? Bon, on voit nos mouvements oculaires, on peut bien les différencier, mais ça l'enlève les artefacts lorsqu'on n'a pas besoin. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Ça va baisser, ça va affecter l'amplitude des signaux. Ici, on a de l'activité alpha, on a un petit peu d'activité musculaire. D'accord? On va voir si je peux vous trouver quelque chose d'autre ici. Bon, ici on a de l'activité bêta mélangée avec l'activité musculaire assez rapide. Ici on a de l'alpha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Hz. Ça, je vais vous montrer aussi avec l'exemple ici comment est-ce que des filtres peuvent affecter les signaux. Ici, c'est le même tracé que tantôt, là. On a de l'activité d'environ 4 à 5 Hz ici. Là. Ça, c'est anormal, hein? C'est atemporal. Atemporal gauche. Et puis, regardez, on l'a aussi en centro-pariétal gauche. Là. Donc, le côté gauche, il y a des ondes lentes. Là. Si on compare le côté gauche ici, là. OK, je vais mettre le crayon. Là. Si on compare ici, le côté gauche, ici, avec son homologue droite, hein, ça ici, c'est beaucoup plus lent. Là. La même chose ici, hein, on regarde. On compare ça avec son homologue ici. Là. Il y a une différence. Hein? Bon. Alors, là, j'ai mes filtres de basse fréquence. Donc, toutes les fréquences de 1 Hz et moins sont filtrées. Plus c'est lent, plus c'est filtré. Si je place mon filtre à 5, dis-je, oh, je veux enlever tous mes mouvements oculaires. Regardez, je vais mettre ça à 5. Regardez qu'est-ce qui va arriver ici. Là. On perd nos ondes lentes. Là, ils ont l'air des pointes. Là. Okay, ça les a affectées, puis on les a perdues. Ici, on les voit plus. Donc, l'utilisation des filtres, une utilisation judicieuse des filtres, c'est important pour un technologue. Hein? Ici, là, nos ondes qui étaient lentes apparaissent comme des ondes plutôt pointues. Donc, ça change la morphologie. Je vais la remettre ici. Okay, on a ici de l'onde pointue, mais on a des ondes lentes à travers ça. Pour les filtres de haute fréquence, qui sont ici, high filter, on est à 70. Donc, tout ce qui est 70 et plus va être coupé un petit peu. Disons que ça va filtrer. Parce qu'on a besoin, nous, des ondes entre 0,5 et 70 Hz. Okay, c'est pour ça qu'on va utiliser nos filtres ici. Là. Moi, je vais le baisser à 0,5. D'accord? Donc, regardez quand je touche les filtres de haute fréquence que ça fait. Je vais le descendre à 40. Ça l'enlève, l'activité. Donc, les filtres de haute fréquence, on va les baisser, disons, on va sur 35. C'est pour essayer d'enlever le plus possible des activités musculaires ici. Habituellement, c'est pas recommandé de descendre en bas de 35 parce que les composantes très rapides peuvent être affectées. Dans le cas ici, ça va quand même bien. Le filtre fait bien son travail. Il coupe les hautes fréquences. Mais c'est pas recommandé. Surtout si en présence de pointes épileptiques, là, ça pourrait affecter nos pointes épileptiques. Je vais le remettre à 70. Il y a beaucoup d'activité musculaire ici. Bon, on va regarder un petit peu. Alors, en gros, c'est ça. Je voulais vous montrer les signaux de calibration que je vais essayer de retourner au début là, dans la calibration. Bon, on a des signaux de calibration ici. Là. On est au tout début. Alors, toutes les électrodes qui sont utilisées sont référées à l'électrode de référence, ici qui est FCZ. C'est l'électrode qui va
permettent de manipuler les montages une fois que les montages sont enregistrés. C'est que l'électrode, elle est toujours identifiée là, sur le canal EEG. Ici, on a des signaux de calibration. Donc, c'est un signal, on envoie une valeur en microvolts et puis on applique des filtres. Je vais changer la vitesse juste pour que vous puissiez voir un peu mieux qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, au tout début, on a parti notre signal de calibration. Vous voyez la grande onde ici qui passe, là. Mon signal de calibration, là. OK, qui est ici. Là, il s'est rétabli puis s'est stabilisé ici. Donc, quand on fait la calibration, au début, c'est pour ça, c'est pour atteindre, vérifier que tous les canaux répondent de la bonne façon. Et puis, pour voir aussi que toutes nos composantes là, de filtre, nos composantes de sensibilité, que ça fonctionne tout en même temps. Ceux-là, ici, là, les OG, les CG, là, on s'en occupera pas. On va s'occuper juste de nos canaux EEG. Alors, on va regarder s'ils fonctionnent. Donc, si je change ma vitesse, pas ma vitesse, mon fil de basse fréquence, regardez, là, je le mets à 5. Alors, tous mes signaux ont changé. OK? Ils ont tous changé de forme ici. Ça veut dire que mon fil fonctionne. OK? Je vais le mettre comme ça. Ça fonctionne. Je le mets à 1. Et voilà. Puis, pour mes fils de haute fréquence, c'est moins apparent, mais ça change quand même. On va regarder. Si je le mets à 15, alors, la forme de mes signaux EEG a changé. Hein? On voit, c'est plus rond ici. Je vais le remettre à 70. Puis j'ai le notch ici qui est le signal de pour couper le 60 Hz. Celui-là, quand on le met, on ne le voit pas bien ici, là, mais si vous avez un plus gros écran, on le voit ici sur le bout du signal. Là. Il y a un petit. L'onde a fait comme trembler un petit peu. Puis on va aller vérifier la sensibilité. Donc, j'augmente ma sensibilité si mes ondes sont trop petites, hein, à 5 microvolts, puis là, ici, je le baisse. D'accord. Puis, je baisse ma sensibilité. Voilà. Donc, tout fonctionne. Mon échelle de temps, là, je suis à 5 secondes par page. Habituellement, on enregistre à 10 secondes par page. OK. Fait que si on regarde ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, attendez. On va aller où il y a toutes les lignes, comme il faut qu'on les voit bien, là. Va être plus facile pour vous autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Puis, la sensibilité. On regarde notre sensibilité. Je vais mettre un montage. Ça va vous donner une meilleure idée. Un adulte, habituellement, on va aller enregistrer à 7,5 microvolts par millimètre. Puis, les enfants, on va aller à 10 parce que leur amplitude sera habituellement plus grande. Mais ici, là, on peut l'augmenter pour mieux voir nos ondes. Hein? Ça. Puis quand il y a des activités de très haute amplitude, comme ici, disons là, hein, on pourrait baisser notre sensibilité, puis on voit mieux nos ondes pour aller trouver les origines de nos ondes. Donc, en gros, c'est ça. Hein? Je vais essayer de vous trouver des activités un petit peu plus hautes, là. Ça ici. Patient s'endort. Comme ici, hein, les amplitudes sont un petit peu plus hautes. Donc, ici, j'ai des belles pointes épileptiques, là. Tiens, donc, disons que vous enregistrez comme ça, à 3 microvolts par millimètre. Non, on pense que c'est tout mêlé, les signaux. Là. On va juste abaisser nos amplitudes. Là. On le voit ici. Regardez, T3, une belle pointe épileptique. Hein? T3, on a un beau champ. On va aller voir en montage référentiel qu'est-ce que ça donne. T3, il est plus élevé. Puis, zygomatique. Zygomatique, là, c'est en dessous de l'œil droit. Le zygomatique 1, c'est en dessous de l'œil gauche. Okay? Puis, on peut aller chercher un montage coronal. Donc, on l'a ici à T3. Avec notre champ électrique. J'espère que ça vous a aidé. Un petit 20 minutes. On voit très bien ici, je peux changer mon time scale. Vous allez voir l'onde, vous allez la voir un petit peu mieux. Je vais changer ma sensibilité, vous allez la voir encore mieux. Ici.
Donc, si vous avez des questions, juste n'hésitez pas durant le cours, vous pouvez me poser des questions.